Salut tout le monde, c'est Léna Jbeka et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du Royal Rumble 2024 qui aura lieu samedi 27 janvier. C'est donc dans 3 jours si je ne m'abuse. Bon, je fais un peu ces pronostics à l'arrache, désolé, il est un peu tard. Mais j'ai plein de choses à faire, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Donc voilà, désolé, mais je vais m'y remettre. Il y a plein de vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Alors, cette carte du Royal Rumble, forcément, il n'y a pas beaucoup de matchs, parce que il y a déjà deux Royal Rumble de prévu, forcément, celui féminin et celui masculin. Et ça prend déjà beaucoup de temps, ça prend plus d'une heure, donc forcément, on ne peut pas non plus avoir une carte avec 10 matchs. Alors, on va quand même commencer par le premier match, qui est donc Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Alors, je veux dire que cette petite rivalité, franchement, elle est pas mal. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être encore? Logan Paul, il va pas être là souvent à SmackDown, du coup, la rivalité pourra pas vraiment être construite comme il faut. Mais voilà, force est de constater que Logan Paul est là, à SmackDown, il construit cette rivalité avec Kevin Owens. Bon, il combat pas forcément, il n'a pas combattu durant ce temps où la rivalité était construite, mais il était là, donc voilà, la rivalité se fait. Et à mon avis, il est quand même temps de laisser la place à un vrai catcheur, voilà, pour que le titre ait à nouveau ses lettres de noblesse. Donc je pense que Kevin Owens devrait gagner au Royal Rumble et voilà, redorer un peu le blason de ce titre, qui avait été quelque peu terni avec le règne d'Austin Theory, on va pas se mentir, hein, c'était pas non plus topissime. Rey Mysterio, il a fait le taf. Et Logan Paul, bon, il a voulu son petit règne de champion à la WWE, il l'a eu. Merci, au revoir, j'ai envie de dire. Hein. J'aime beaucoup quand même Logan Paul dans le ring, c'est indéniable que le garçon est doué. Mais encore une fois, voilà, il n'est pas là à temps plein, c'est pas un vrai catcheur, on va dire. Donc voilà, soit il est là tout le temps, soit il peut pas être champion, je suis désolée. Donc voilà, j'espère quand même que ce sera Kevin Owens qui va remporter ce match, mais je ne doute pas que ce sera un très beau combat. Alors le deuxième match, c'est donc pour le titre universel de la WWE, donc ce sera un Fatal 4-Way entre Randy Orton, AJ Styles, LA Knight et Roman Reigns. Alors, toujours la question de Roman Reigns hein, et de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce titre. Alors, surtout maintenant que The Rock est revenu en fait, parce que moi je m'y attendais pas forcément, même si les rumeurs allaient bon train. Hein. Donc The Rock est revenu et il a défié Roman Reigns. Et vu qu'apparemment The Rock et Roman Reigns ne sont pas prévus pour l'Elimination Chamber, il reste quoi? Il reste WrestleMania. Donc je pense qu'on va se coltiner Roman Reigns contre The Rock à WrestleMania. Ceci dit, moi j'aimerais bien que ce ne soit pas pour le titre. Je pense que cette rivalité n'a pas besoin du titre. Il pourrait juste se battre pour savoir qui est le vrai Tribal Chief. Voilà, donc ce sera un match pour le titre de Tribal Chief, mais pas pour le titre de la WWE. Donc en fait, j'espère qu'au Royal Rumble, ce sera Randy Orton qui va remporter la ceinture et qu'ensuite, il pourra aller faire une petite rivalité avec Cody Rhodes. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. Moi, j'aurais plus envie que Cody Rhodes termine son histoire, sa foutue histoire, avec Randy Orton. Donc voilà, par là où tout a commencé au final. Plutôt qu'avec Roman Reigns, parce qu'avec Roman Reigns, il n'a pas réussi à la finir l'année passée, tant pis, on passe à autre chose. Donc là, j'aimerais bien voilà, une petite histoire entre le maître et son élève, et comme ça, Cody Rhodes gagne à WrestleMania et il dépasse le maître. Maintenant, j'ai entendu d'autres possibilités sur Internet. Il y a un gars notamment avec lequel j'ai discuté, on n'était pas forcément d'accord, mais au final, il m'a quand même sorti des bons arguments, donc why not? Il a dit qu'il aimerait bien que ce soit The Rock qui gagne le Royal Rumble. Donc là, j'enchaîne avec le troisième match de la soirée, donc le Royal Rumble masculin. Et donc, il disait que Roman Reigns retient sa ceinture au Royal Rumble, que The Rock gagne le Royal, gagne le Royal Rumble, et qu'il aille donc défier Roman Reigns à WrestleMania, et que The Rock gagne le titre à WrestleMania. Alors au début j'étais là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi j'ai pas envie que ce soit The Rock qui soit champion. Le gars il a 50 ans, on a vu qu'il a fait un People's Elbow à Jinder Mahal, il était déjà essoufflé, ça va être un match totalement nul. Et il me dit, oui mais s'il gagne, il pourrait perdre le titre le lendemain à Raw, et notamment par exemple en faisant cash-in Damien Priest. Et j'étais là, ah ça c'est pas bête. Parce que Damien Priest, pour l'instant, je trouve qu'il lui manque quand même quelque chose pour être un champion crédible. Mais là, s'il gagne contre The Rock, alors certes, ce sera par un cash-in de Money in the Bank, mais ce sera quand même plus légitime que s'il gagne contre,
contre Seth Rollins, par exemple, je suis pas en train de dire que Seth Rollins n'est pas un bon champion, mais voilà, on s'entend, The Rock, c'est quand même une légende. S'il bat The Rock, ça le propulserait vraiment sur une autre planète. Ce sera un autre statut pour Damien Priest. Et franchement, ce serait pas mal, parce que comme ça, bah, on verrait un peu de nouveauté. Et voilà, ce serait vraiment pas mal pour la carrière de Damien Priest. Et comme ça, on pourrait commencer bah voilà, une toute nouvelle histoire. Et l'histoire entre The Rock et Roman Reigns aura eu lieu. Donc ça, pourquoi pas. Mais moi, j'ai envie que le Royal Rumble, il soit gagné par CM Punk. Comme ça, il pourra aller défier Seth Rollins à WrestleMania. Et comme ça, il aura son main event de WrestleMania qu'il désire depuis tant d'années. Voilà, mais maintenant, avec la blessure de Seth Rollins... Bon, lui, il a dit qu'il allait défendre son titre à WrestleMania, mais on sait pas, quoi. Si ça se trouve, il va pas guérir à temps et il pourra pas, quoi. Moi, au début, je pensais qu'il allait rendre le titre vacant et s'en aller et revenir quand il était guéri, quoi. Mais ils l'ont laissé comme ça, donc ok. Je trouve ça un peu bizarre, mais why not. Donc voilà, pour moi, vainqueur de cette année, c'est CM Punk. Et d'autres disent à nouveau Cody Rhodes. Mais encore une fois, j'ai pas envie de refaire la même chose que l'année passée avec Roman Reigns. C'est chiant. Non. Non, moi je dis CM Punk qui gagne et limite Cody Rhodes, tu peux gagner l'Elimination Chamber. Voilà, c'est bien ça. Et juste aller défier Randy Orton pour le titre et voilà, et Randy accepte. C'est tout. Et donc maintenant, dernier match, donc le Royal Rumble féminin. Bah moi là je vais suivre les rumeurs et dire que c'est Bayley qui va gagner parce que j'ai envie d'avoir une sacrée rivalité entre Bayley et Io Sky. Je veux qu'enfin le Damage Control se débarrasse de Bayley, qu'il la trahisse et qu'elle puisse enfin aller défier sa pote, enfin son ancienne pote du coup. Ou pourquoi pas, ils restent ensemble, enfin elle reste ensemble plutôt dans le Damage Control et elle va défier Rhea Ripley. Ça, ce serait un sacré match aussi. Hein. Parce que franchement, je suis pas trop fan de Rhea Ripley Becky Lynch à WrestleMania. Sincèrement, Becky Lynch, je vous l'ai déjà dit, je suis pas super fan hein, d'elle dans le ring. Donc non, je préférais voir Rhea Ripley Bayley à WrestleMania. Why not? Ce serait une grosse opportunité pour Bayley. Et pour Rhea Ripley aussi, hein, parce que voilà, Bayley, c'est Bayley, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai envie que Rhea Ripley garde son titre à WrestleMania. Mais j'ai aussi envie que Bayley soit championne. Donc, je vais revenir sur ma première idée et dire que c'est Bayley qui gagne, toujours, hein, ça change pas. Mais qu'elle aille défier Io Sky et que là, elle remporte le titre à WrestleMania. Voilà. Donc ça, c'était mes petits pronostics pour le Royal Rumble 2024. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends les vôtres en commentaire, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!